Alors les valeurs, c'est quelque chose qu'on t'inculque, je pense, dans ton enfance déjà, pour les valeurs, ne serait-ce que du bien, du mal, le respect des êtres humains et vivants, j'espère. Le respect enfin, voilà, en général, la politesse, ça, c'est des valeurs assez sûres qu'on nous inculque assez rapidement, que ce soit à l'école ou logiquement à la maison. Il y en a qui, je pense, l'ont oublié, mais c'est quand même des choses qu'on nous inculque assez rapidement. Et après, je pense qu'on a aussi nos petites valeurs qu'on préfère chacun. On a un truc qui nous correspond plus. Après, c'est vrai que la notion de valeur, des fois, me paraît un peu floue dans le sens où il y a des choses qui, pour moi, me paraissent importantes. Genre comme être une personne agréable, bienveillante, souriante et véhiculer un maximum de bonnes ondes aux gens qui m'entourent. Ça me paraît être une valeur, mais est-ce que c'est une valeur pour tout le monde? J'en sais rien. Mais voilà, en fait, il y a des choses qui pour moi sont des valeurs sûres, qui ne seront pas pour d'autres. Et c'est quelque chose qui est important, je pense, pour nous aider à nous construire, à savoir qui on est, et à nous décrire aussi, mine de rien, parce qu'en fait, la notion, tu sais, la valeur par exemple de la loyauté, d'être une personne de confiance, d'être une personne respectueuse, d'être. Bah, tout ça, c'est des choses qui peuvent nous tenir à cœur et qui nous définissent quand même presque autant que notre personnalité finalement. C'est un petit peu notre part de personnalité, les valeurs qui nous tiennent à cœur. Et savoir ce qui nous tient vraiment à cœur, c'est un peu compliqué. Enfin, moi, j'arrive pas à me dire. Enfin, j'ai des valeurs, je suis sûre, tu vois, mais il y a certaines valeurs que j'oublie, qui, quand on me voit, peut-être vous paraissent logiques dans ma façon d'être, et que moi, je n'y fais même plus gaffe. Et je pense qu'il y a des choses qu'on fait tellement assez facilement que bah, du coup, ça devient une valeur presque inné, ou voilà, je sais pas si ça s'éclaire ce que je viens de dire, mais bon, de toute façon, on va essayer de faire des petites vidéos assez rapides, hein. Et d'ailleurs, celui qui a envie de me juger parce que je suis en pilou, parce que j'ai froid, bah je te banne. Je vais me retrouver avec très peu d'abonnés si je continue de dire des blagues comme ça. Non, mais c'était une blague, hein, je vais pas te ban. Hein, Minette, on va pas ban. Bah oui, on ban pas comme ça, les gens, c'est pas gentil, hein. Bon, allez, à la prochaine!